Salut tout le monde, ça fait longtemps qu'on s'est retrouvé pour une interview, mais bon, avec la crise sanitaire et sociale, c'est pas évident. Mais je reviens avec du lot, ça fait longtemps que je devais l'avoir. Aujourd'hui, je suis avec Mario Bocali. Salut Mario. Salut Guinel. Ça va bien? Oui, tranquille. Comment tu gères avec le Covid, avec la crise sociale? Tu gères comment? Un peu compliqué pour mettre les pratiques en route, mais après, je crois, on ne se contente pas de dire que c'est compliqué, on se contente de faire et d'essayer d'inventer des choses. Ok, on a tout plein de sujets. On va aborder par le plus récent, le nouveau sélectionneur, Marc Colla. T'en penses quoi? C'est pour un bon choix pour toi? Marc, c'est quelqu'un que personnellement je connais, qui a travaillé aussi en sélection de la Martinique avec nous il y a quelques années, en 2007 je crois. Avec Guy Michel, il était là avec nous, donc j'ai eu le temps justement de collaborer. C'est humainement déjà quelqu'un de bien. Mm-hmm. Et puis sportivement, c'est quelqu'un qui a une longue expérience aussi bien sur la France que aussi dans la Caraïbe, donc je crois que c'est quelque chose d'intéressant. C'est un beau challenge pour lui, c'est un beau challenge aussi pour nous, la Martinique. Mm-hmm. Et j'espère que les choses se passeront du mieux que possible. Je sais pas si tu as vu ça, la première grosse décision, il a dit qu'il n'y aura pas de quota. Donc si ça se trouve, on peut se retrouver avec plus de pros que de locaux. Est-ce que ça peut pas faire du mal à notre football local? Faut voir avec le temps, faut voir comment il va aborder les choses. Sur la philosophie, il a annoncé d'abord. Maintenant, je pense qu'il va aussi, puisque j'ai échangé avec lui aussi, il va voir un petit peu, il va faire l'état des lieux des joueurs aussi qui sont présents aussi sur la Martinique, afin qu'il définisse clairement son projet. Donc les choses vont s'affiner au fur et à mesure. Il a besoin aussi de bien s'approprier les choses ici avant de prendre des décisions très fortes. Ok, mais en tout cas, c'était tu n'avais pas un avis sur le choix? Non, avant ça se passait pas comme ça. Le CTR décidait pas du choix du sélectionneur, non? Oh, je sais pas en fait. Là, je parle de la situation dans laquelle je suis donc actuellement. Ouais. Donc j'ai eu un échange, quelques collègues de l'équipe technique. On a eu un échange aussi avec le conseil de ligue. Et on a eu un échange qui était assez franc sur les choses. Donc on n'est pas décisionnaire, mais on a été consulté sur le choix. Mais parle-nous de ton nouveau rôle de CTR. Il consiste à quoi exactement? Tu as plein de choses là. Ouais, le rôle de CTR est large. Bon. Mais la première chose que je tiens à préciser quand même dans le rôle de conseiller technique, puis de directeur technique régional aussi, c'est que nous sommes quand même trois conseillers techniques. Ça, faut pas l'oublier. Il y a Charlène qui est chargée du développement des pratiques. Mm-hmm. D'accord. Donc CTR chargé du développement des pratiques. Yannick Desmontil qui est CTR chargé de la formation. Mm-hmm. Et moi, je suis chargé du parcours de performance fédérale. Et avec nous, il y a aussi tous les collègues de l'équipe technique régionale qui sont sous les différentes structures. Donc nous sommes sept. D'accord. Mm-hmm. Il y a, à part les trois conseillers techniques, il y a Cédric Cartillon qui est sous le pôle Outre-mer. Mm-hmm. Et Michel Nizas qui est sous la SES, donc section d'excellence sportive, avec Gilles Pricard et Patrick Cavland. Voici l'équipe qui est là pour déployer. Je ne suis pas le seul à déployer. Mm-hmm. Nous sommes tous là à déployer toutes les actions fédérales sous le département. Ok. En tant qu'actualité, le club franciscain ce week-end, tu as vu le match forcément? Tu en as pensé quoi? Alors, j'ai vu une partie du match, très sincèrement, parce que j'ai même échangé de ça avec Patrick. J'ai vu les 25 dernières minutes de la première mi-temps, puisque il y avait du foot à venir, des jeunes. Ouais. Et je me suis préoccupé, parce que je pense que c'est une préoccupation du moment de redémarrer le football jeune. J'ai vu 25 minutes assez intéressantes où une équipe est sortie progressivement à jouer. Et en échangeant avec Patrick, il m'a dit que sur la deuxième mi-temps, ils étaient encore mieux. Donc ça veut dire que voilà, c'est bien de concurrencer une équipe de nationale, on dirait c'est bien, mais on a encore perdu. Mais quand même, on est quand même face à une équipe de nationale que des joueurs professionnels. Le football a tendance, d'ailleurs, il y a cette volonté de professionnaliser la nationale dans pas longtemps, d'ici 2 ans au maximum. Donc ça veut dire quand même que quand on a des conditions d'entraînement pour certaines équipes, on est capable de concurrencer très fortement ces équipes-là. Justement, ça fait des années qu'on sent qu'on n'est pas loin, il ne nous manque pas grand-chose. Tu penses qu'il nous manque quoi pour passer ce palier-là justement? Aujourd'hui, c'est notre facteur limitant, c'est le niveau, c'est-à-dire aujourd'hui, à part la R1, on ne peut pas monter. Ouais. Je pense que ces équipes-là, les équipes de national sont confrontées à un niveau chaque week-end, qui fait qu'à un moment donné, on arrive à faire monter son niveau chaque semaine. Cholet est 10e, je crois, en national. Donc ça veut dire qu'au-dessus, il y a d'autres équipes. Ils ont l'occasion de jouer contre d'autres équipes, donc contre d'autres équipes qui sont professionnelles l'année d'après. Ça veut dire qu'il y a ça. Et je pense que quand on peut jouer chaque semaine contre des équipes de ce niveau-là, c'est intéressant au niveau du rythme, au niveau de l'intensité, au niveau aussi de la concentration. Regardez par exemple les deux buts sur coup de pied arrêté, c'est de la concentration. Ouais. Et Patrick me dit que c'est des choses qu'il a répétées, il a montré aux joueurs ce qui se faisait. C'est ça aussi, c'est sur ces petits détails-là, quand on prend l'habitude de le faire tout le temps, mais quand on a l'habitude de gagner relativement tranquillement des fois, donc on n'est pas aussi concentré. Donc si on prend l'habitude d'être concentré systématiquement, d'avoir du rythme,
Je pense que ça, c'est fondamental. Ouais. On peut faire le parallèle aussi avec la sélection. Tu penses qu'il nous manque quoi pour franchir un cap? Un gros parallèle, le parallèle quand même qui, on l'a vu, hein, entre la 2019 et la 2021 pour un groupe. Peut-être qu'il y a encore plus de joueurs sur la 2021, ouais. Je pense. La complexité, c'était quoi à un moment donné? C'est le rythme. Et là, directement, on peut faire un beau parallèle avec le club mexicain. C'est-à-dire que quand on n'a pas le même rythme, le club mexicain a joué 4 matchs. Ouais. On avait joué 0 en 19 mois. Voilà. Le dernier match qu'on avait fait officiel avec la Martinique, c'était en novembre 2019. Et on rejoue sur un autre match en juillet 2021. Entre temps, on a fait 0 match. Donc ça veut dire qu'on a un problème de rythme. Et je crois que c'est ça, à un moment donné, sur le parallèle qu'on peut faire entre le club franciscain et la sélection sur la 2021. Quand on n'a pas l'habitude de jouer sur le très haut niveau, on ne peut pas se suffire de ce genre de match, par exemple, juste du championnat de E1 pour aller jouer la World Cup. Donc je crois que ça, c'est quelque chose qui a été vraiment préjudiciable au plus haut point. Et puis sans compter que l'activité qu'on n'a pas pu avoir pour une vie de groupe. Ouais. Est-ce que avec un petit peu de recul maintenant, il y a des choses que tu as faites différemment, soit dans la liste de joueurs, parce qu'on a vu que, ouais, je voulais te demander ça par rapport au nombre de défenseurs. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la préparation ou l'organisation du tournoi des 6 majeurs, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais fait différemment? Ouais, on va prendre les points un par un. Sur la liste, oui, on aurait pu faire un choix peut-être. Comme je disais, on a perdu le pari entre l'expérience et la fraîcheur physique sur ce coup-là. Ouais, ouais. C'est vrai, parce que mais quand on ne vit pas pendant 2 ans avec un groupe, on perd avec les certitudes qu'on avait juste avant. Surtout que ces joueurs-là, dans le championnat, restent quand même les meilleurs. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui est clair. Il faut que les autres soient un plus haut niveau. Après, peut-être qu'on arrive au bout d'une génération, en fin de cycle d'une certaine génération. Donc ça, c'est le premier facteur. Sur la liste, pourquoi plus de défenseurs? Tout simplement, hein, on l'avait dit. Moi, j'étais resté quand même dans une psychose de ce qui s'était passé en 2015 avec énormément de blessés, juste avant la compétition, dont Sébastien Gretinoir. Donc on était toujours aussi dans une réflexion, jouer à 2 ou à 3 derrière. Donc on avait mis un petit peu plus de défenseurs pour justement pallier à ça, parce qu'on avait quand même pas mal d'incertitudes sur ça. Donc je pense que quand on regarde finalement la compétition, les incertitudes se sont confirmées. Et c'est dommage qu'on ait la blessure de Jean-Claude Michalet qui aurait pu jouer aussi sur ça. Après, sur la préparation, je pense que ça a été le plus complexe. Ouais. C'est-à-dire que pendant 2 ans, on ne vit pas. Sur la préparation, juste avant la compétition, je crois qu'on a fait un bon choix. On avait les bonnes conditions, mais ça n'a pas suffi pour combler 2 ans de travail. 10 jours ne vont jamais combler 2 ans de travail. Donc ça, c'était très, très, très compliqué sur les choses de la compétition. Mais moi, en fait, c'est personnel. Tu sais déjà que je donne mon avis. Est-ce que c'était pas peut-être mieux de faire une préparation sélection avec des matchs amicaux contre des ententes club franciscain ou club colonial que d'organiser le tournoi des 6 majeurs? Est-ce que pour toi le tournoi des 6 majeurs a été bénéfique dans la fraîcheur physique des joueurs? On ne saura jamais. Le but, il n'y a rien ne remplace la compétition. Parce que même si on les aurait préparés, c'est comme sous forme de match amical, même si c'est pour une compétition, mais c'est pas le niveau de la R1 qui nous permet de jouer la Gold Cup. Donc même si on aurait joué contre des ententes ici, ça ne remplace jamais le très haut niveau. Aujourd'hui, on peut s'imaginer tout simplement que les équipes contre lesquelles on a joué, les États-Unis sont dans le 10 FIFA, d'accord ? Le Canada aujourd'hui est numéro 1 sous la zone CONCACAF dans les qualifications du monde. Donc ce ne sont pas des ententes avec des équipes qui nous auraient permis de jouer à ce niveau-là. Je dis bien à ce niveau-là, ça nous aurait peut-être servi. Maintenant, on ne saura jamais. Le tournoi des 6 majeurs, ça reste quand même une compétition. Après, peut-être que tout le monde n'a pas joué le jeu aussi, des ententes au moment où il le fallait, quand on a demandé sur la préparation. C'est dommage, mais on a préféré mettre l'intérêt collectif plutôt qu'autre chose. Je trouve qu'ils ont été quand même sévères avec toi, alors qu'on n'était pas dans les conditions optimales pour préparer cette compétition. T'en as pensé quoi, toi? Ouais, ça dépend des gens qui ont parlé. Certaines personnes ont pris ce parti-là pour des raisons très personnelles ou pour des raisons peut-être politiques, je ne sais pas. Et les personnes objectives savaient à un moment donné que c'était compliqué. Tout le monde sait ce qu'on a fait entre autres avec la sélection, quand c'était possible de travailler. Et je pense que tout le monde a eu l'occasion de voir en 1,5-2 ans ce qu'on a eu le temps de faire. Et puis il y a eu cette phase d'inactivité avec beaucoup de choses. Ce qui est le plus grave, c'est que certaines personnes sont du milieu du football. Ouais. Et c'est ce qui est le plus grave parce qu'ils connaissent.
et souvent c'est eux qui doivent être les plus objectifs, mais après c'est, ce n'est qu'un détail, ça, ce n'est qu'un détail. L'essentiel c'est qu'on s'est fait éliminer, donc on tire des enseignements et on avance, parce que je crois que on va pas s'arrêter sous les pour ou contre Mario Bocali. De toute façon, peu importe, les gens ils ont des partis pris, c'est normal, on va respecter ça. Moi je me vois justement plus à long terme, qu'est-ce qu'on peut faire plus dans le long terme, et non dans je suis pas quelqu'un de entre guillemets d'une expression martiniquaise, du cancan, de le fonctionnement. Non, je suis quelqu'un du travail qui laisse passer tout ça pour travailler. Je crois que l'essentiel pour nous est de rester dans ça, dans le travail, dans l'objectivité, c'est le travail, ce n'est pas la critique négative. Ouais, c'était quand même réducteur d'analyser ton travail sur la dernière compétition, alors qu'il y avait déjà une colque avant et qu'on sait tout le boulot que tu fais. Ouais, c'est-à-dire on sait le boulot quand on veut le voir. Bon, quand on a décidé de ne pas le voir, on choisit la partie. C'est comme de la politique, c'est comme un petit peu commercial. S'il décide que c'est cette partie-là qui va promotionner, ben c'est celle-là. D'accord ? Et s'il décide qu'on va passer sous cette partie-là pour promouvoir une action, on l'a fait. Donc c'est un petit peu comme ça. Après, bon, on est exposé, hein. C'est un poste, on est exposé à des détracteurs, on est exposé aussi à des supporters qui vont supporter l'action que l'on fait. Mais on va au-delà de ça. Et surtout, moi, je m'arrête pas à ça, même si quand même on a vu des choses quand même, je pense, tristes pour le football, puisqu'on n'a pas su faire corps comme on a fait corps quand on gagnait. Maintenant, ça fait partie aussi du rôle d'entraîneur, de sélectionneur, de citer, voilà, d'être exposé à la critique. Mais le but, c'est de ne pas s'arrêter, c'est de continuer à travailler. Ok. Au jour d'aujourd'hui, pour toi, quel niveau a le football martiniquais réellement par rapport à avant? Moi, je trouve que avant on avait beaucoup plus de talent, on était beaucoup plus rigoureux, plus compétiteur. Pour toi, on a quel niveau aujourd'hui? Ça dit que c'est un problème beaucoup plus complexe de comparer avant et maintenant. C'est un autre type de football, c'est une autre passion. On avait une passion qui était déraisonnable parce qu'on était sur une activité précise où tout le monde vraiment allait au match de football, il y avait moins d'activités. C'est vrai que le panel d'activités aujourd'hui s'est vachement élargi, tout s'est démocratisé, donc on a beaucoup plus de personnes. Est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas des joueurs plus stéréotypés par rapport justement à comment les joueurs sont formatés de plus en plus dans le jeu? Ou encore, je pense qu'avant il y avait des joueurs qui étaient plus spontanés, plus d'instinct, parce que aussi il y a une culture souhait qui était très importante, donc ouais. Du souhait on sort beaucoup plus d'instinct, et aujourd'hui on est plus sur un football formaté, européanisé, qui demande des principes particuliers. Donc c'est peut-être à nous aussi de rajouter, en plus de ce formatage, un peu plus d'instinct, de prise d'initiative individuelle, pour amener le public. Mais vous souvenez dans le temps, hein, Guignol, te souviens, ouais, de ça, le public il aimait bien voir un amorti poitrine, ouais, voilà, alors que le ballon ne bouge plus. Aujourd'hui on demande d'avoir le ballon en mouvement, donc le public applaudissait, je me souviens, ouais, un temps pour ça, pour le contrôle de la poitrine, alors que l'adversaire arrive tout de suite maintenant, d'accord. Et aujourd'hui on va plus demander de contrôle orienté, ouais, et de libérer la balle plus vite. On appréciait beaucoup les dribbleurs, ouais, les dribbleurs étaient vraiment très appréciés. Je me souviens, moi, en tant que supporter de l'Aiglon, j'allais voir Bruno Jean-Louis, tout le monde était content de voir Bruno. Aujourd'hui le coach a dit ouais, point, mais libéré quand même, voilà, ouais. Donc ça a changé. C'est peut-être à nous aussi d'essayer de mixer les deux, parce que c'est ce qui fait notre singularité. Nous aussi, on est français, mais on regarde beaucoup aussi le football brésilien en Martinique, donc on a cette sensibilité du duel, du dribble, voilà, et je pense que peut-être que c'est à nous aussi, à travers nos entraînements, de ramener cet aspect européen tout en gardant notre identité forte. Toi qui es aussi dans le milieu scolaire, je trouve que les petits jeunes d'aujourd'hui n'aiment pas le foot comme avant, bien même les autres sports. Tu t'en penses quoi, toi? Alors, ce que je disais, c'est que c'est vrai que le foot est très peu utilisé dans les collèges aujourd'hui, parce que le problème qui se passe, c'est que beaucoup de profs de PS n'abordent plus l'activité parce qu'il y a tellement d'enfants qui font l'activité. Ouais. Donc aujourd'hui, on a moins de personnes qui travaillent en foot dans les collèges. C'est peut-être une des premières choses. Maintenant, aime le foot, je vois quand même une belle passion pour le foot, même si on ne pratique pas tous. Mais même, je prends un exemple de certains sports, même à l'échauffement, ils font du foot. Des fois, je vois des escrimeurs, hein, puisque j'ai l'occasion des fois à l'escrime, ils font du foot dans certaines activités. Ils font du foot. La passion du foot est là, toujours. Mais elle n'est pas peut-être aussi forte et aussi focalisée, puisque, comme je disais, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités. Maintenant, dans les collèges,
Mais tu as ballon de foot, je pense que c'est l'activité qui marche le mieux, hein, dans ouais. tous les collèges. Hein. Mais c'est une activité. J'ai eu l'occasion, en tout cas, prof de PS, de mettre les jeudis foot. C'était un championnat organisé des enfants pour les enfants. Donc, ils étaient coachs, ils étaient organisateurs, ils étaient arbitres. Tout le collège était là, à ce moment-là. Donc, je pense que la passion est là. Maintenant, il est moins abordé en EPS parce que certains profs ne prennent pas le parti de travailler en EPS, qu'ils se disent qu'il y a trop d'élèves qui connaissent le foot, ce sera compliqué à enseigner. Après, il y aura trop de choses à gérer. Je voulais te poser une question très importante. Pourquoi on ne voit pas, en fait, tous ceux qui sont formés ici et qui sont peut-être dans le monde pro aujourd'hui, on les entend pas, on n'entend pas parler d'eux alors que tu m'as déjà dit qu'ils sont nombreux. Ouais. Et ils sont tous en contact avec toi, le bien. Oui, on a pas mal avec qui je suis en contact. Ouais, c'est peut-être à nous aussi de faire ce travail de communication là aussi sur ce qu'on a formé, les faire revenir. On a eu l'occasion, ne serait-ce que sous la section d'excellence sportive l'année dernière, de faire Michael Biron venir, parler aux enfants. Emmanuel Louvier aussi a parlé il n'y a pas longtemps aux enfants aussi. Voilà, donc, et je pense que c'est à nous de les faire venir, de discuter avec eux. C'est un travail qu'on doit mener. C'est vrai qu'on se suffit souvent à une chose, c'est de les voir réussir et le retour sur investissement, c'est à nous de les solliciter parce que c'est pas eux. Lorsqu'ils viennent, ils profitent déjà de leurs vacances et essaient d'éviter au maximum trop de sollicitations. Ouais. On prend l'exemple de Wendy Wenner quand elle vient ici, elle est super sollicitée. Ah oui. Parce que Wendy n'a même pas le temps de faire 2-3 jours de vacances sur une semaine. Donc c'est ça, donc c'est à nous aussi de les solliciter. Maintenant, c'est de les solliciter de façon intelligente pour qu'ils aient un temps aussi pour leur famille et pour eux aussi, parce que c'est important de décompresser. Donc je pense que la faute vient de nous. C'est à nous de les solliciter pour qu'on les voit plus. Ok. Pour moi, la progression du football martiniquais, on doit forcément tendre vers le statut FIFA. Est-ce que tu penses que c'est réellement possible au jour d'aujourd'hui? Là, c'est quelque chose que aujourd'hui les politiques vont gérer. Quand on dit les politiques, c'est-à-dire que le conseil de ligue et éventuellement les élus martiniquais, possible peut-être. Maintenant, il faut voir, ça va nous apporter quoi. Donc, ça peut nous apporter des choses assez intéressantes sous les moyens, sous les formations, sous les moyens financiers pour développer les choses. Mais je pense que la formation, déjà, on ne va pas attendre d'être FIFA pour travailler. Donc, c'est à nous aussi d'être encore plus rigoureux sous les pratiques en football jeune, diversifier le type de pratique pour eux, augmenter le volume justement de jeu des jeunes. C'est aussi sous la formation des cadres, c'est ramener des éléments aussi qui font qu'à un moment donné on va faire quoi, on sera sur le moment de partage qui vont faire qu'au contact et à l'échange on va faire progresser nos pratiques. Et je pense que ce sont des éléments à un moment donné, en attendant, en espérant un statut FIFA, c'est toujours il faut travailler avec ce que l'on a. Donc ce que l'on a, c'est aujourd'hui, c'est travailler dans cet aspect de la formation des jeunes et la formation des cadres techniques. Donc c'est à nous de pousser les choses dans ce sens-là. Ok. Mais on va finir avec un petit quiz que j'ai l'habitude de faire sur tes choix personnels à toi. C'est qui le meilleur joueur que tu as entraîné? On va entraîner tout de... Ah là, c'est dur quand même, Guinel. Ah bon, j'y vais par génération, je ne peux pas te dire meilleur. Un meilleur par génération, j'ai eu l'occasion et la chance d'entrer 3 joueurs pour moi. Tu m'excuses, mais j'ai entraîné à l'Aiglon d'abord. Thierry Fondelot, Fred Setomer et Jonathan McVan. Ouais. Vraiment 3 joueurs exceptionnels que j'ai eu le temps d'entraîner en commençant. Donc déjà, c'était compliqué d'y aller, d'entraîner. Et après, sur la durée, il y a quand même des joueurs que je parle uniquement dans le cadre de club. Hein. Ouais. Il y a la sélection, mais dans le cadre des clubs quand même, ou la sélection aussi, on peut y aller. Hein. Daniel Hirel, Stéphane Abol, c'est quand même des joueurs vraiment de très haut niveau. Enfin, voilà, c'est des offensifs. Il y a quelqu'un comme Sébastien Klinor qui est un défenseur, mais vraiment c'est du solide, c'est du costaud aussi. Pourquoi ces gars-là sont pas devenus pro? Après, c'est du contexte. Tu les as interviewés, c'est quoi? C'est ouais. Il y a Steve Gustin que tu as interviewé, qui est un joueur que j'ai entraîné, vraiment un sacré joueur. J'ai eu le temps un peu d'entraîner Fabrice Coppère, évite aussi. Voilà, voilà, je peux pas tous les citer. Puis mon problème là, je suis en train de citer les offensifs, ça me dérange parce que j'ai travaillé avec de beaux offensifs. Des gardiens aussi, Arnaud des étagers qui travaillent. J'ai travaillé avec de bons joueurs. Maintenant, ça a été un plaisir de les entraîner. Je ne peux pas te dire qu'il y en a un. Donc, là, désolé, dans ton quiz, il faudrait tellement de cases pour que je coche plusieurs endroits. Ouais. Ce qu'on va faire, on va faire un 11 d'or. Tu vas me donner le meilleur joueur pour toi dans chaque ligne, le meilleur gardien.
gardien que j'ai entraîné ou ouais, que j'ai ou bien vu. Que tu as vu, que tu as vu. Même dans les anciennes générations et tout. Oh, puis là, quand même, à moi, il y en a un qui m'avait impressionné quand même, c'est Marco Lager. Ouais. Ah ouais, ouais. Ouais, ça c'est Lager sûr. Lager m'avait impressionné. Après, j'ai eu l'occasion quand même d'être avec des gardiens plus jeunes que son Chauvet, Hugues Etage aussi, c'était pas mal. Mais Marco Lager, c'est vraiment celui qui m'a. Au-delà de. Il y a David Franciette aussi, mais Marco Lager, c'était impressionnant. Je l'ai vu à l'entraînement, c'est. Ouais. Marco Lager. Costaud. Ok, mais gardien Marco Lager. Ah, au doigt. Oui, arrière droit. Voilà. Ouais, j'ai du mal. Il y avait Clovis, il y avait pas mal de joueurs. Ouais. J'ai vu Polo Clovis. Qui est-ce encore que j'ai vu? J'ai vu de bons arrière droits quand même. Hein. J'ai fonctionné avec un qui n'était peut-être pas en sélection, que j'ai trouvé intéressant dans l'état d'esprit. C'était Fabrice Cosette. J'ai trouvé très intéressant. C'était un sacré joueur et qui a. J'aimais beaucoup l'état d'esprit. C'était peut-être le plus exceptionnel, mais vraiment c'était un super joueur. Donc dans l'axe central, 200 tours. Ah, dans l'axe central, il y en avait Guinel. Ah non, bah, j'ai un problème, c'est que je suis un peu lamantinois de ce que j'ai fait là. Mais j'ai vu deux super joueurs. Hein. Ah, moi j'ai vu Olivier Lomas dans l'axe, c'était costaud, c'était technique. C'était rugueux aussi c'était en plus. Rugueux, c'était technique. C'était un très bon joueur. Il y avait Maurice aussi. Dans 6 que j'ai vu dans l'axe, c'était solide, costaud au poste. Même Charles Bonix que j'ai vu, c'était costaud aussi au poste. Et puis voilà, moi Sébastien Grétinois, je vous dis franchement, c'est un central que c'est solide. C'est ton joueur. Arrière gauche. Arrière gauche. Alors voilà, le problème des arrière gauche, c'est que c'est toujours des joueurs reconvertis qu'on a posé là. Voilà, et... C'est quand même bizarre. Hein. Ouais. On a un problème de latéraux aujourd'hui. Oui. Et même en équipe de France partout. Français. Alors, l'arrière gauche avec lequel j'ai bien travaillé, c'est Jean-Gilles Montgérand. On l'avait reconverti là. Et voilà, alors à travers les générations, je ne sais pas, mais Jean-Gilles, ouais, il a été bon à son poste. Il était bon à son poste. En milieu de terrain. Bon, alors, c'est quoi le meilleur système pour toi? C'est selon l'adversaire ou selon les joueurs que l'on a, selon ce qu'on a à construire. Selon ce qu'on a à construire, et c'est pas en fonction de l'adversaire forcément. Alors, en milieu de terrain, je vais essayer de faire un mix avec les anciennes générations et les jeunes générations. D'accord. J'ai Patrick Cadol, ouais, que j'ai vu ça vraiment au milieu de terrain, milieu défensif ouais. Costaud. J'ai beaucoup aimé aussi un coach que j'ai, quelqu'un que j'ai beaucoup aimé comme coach aussi, Guy Albert Gisop, j'ai trouvé que c'était. Il y avait Jean-Pierre Honoré, Jean-Hébert Soufi, Thierry Fondol, comme je le disais, Fred Setsomer, ouais. Daniel, que je ne veux pas oublier dans son groupe de milieu, et puis Stéphane Abel. J'ai pas une équipe. Pas une équipe type. Et attaquant. Ah, en attaquant, bon, faut pas se mentir, Rodolphe Fano. Ah, mais Fano, c'était le meilleur pour de vrai. Ouais, Rodolphe, devant, c'était vraiment exceptionnel. Après, on a des joueurs de côté qu'on a trouvé assez intéressants aussi. On peut en citer plusieurs. Bruno Jean-Louis, j'ai vu Choskova jouer aussi. C'est intéressant. Kevin Parsemé aussi, c'est quand même un sacré joueur, Kevin. Ah, mais on n'a même pas parlé. Tu penses qu'il aurait changé quelque chose à la dernière Gold Cup, tu penses? Peut-être qu'on connaît la qualité de Kevin. Après, bon, il a fait le choix de ne plus revenir. On a respecté ça. Mais Kevin, ouais, j'avais oublié, parmi les joueurs avec qui j'ai travaillé, un super joueur, ouais. Kevin Parsemé, ouais. Fait partie de ces joueurs là encore. Qui est-ce qu'on a encore comme milieu off? Oh, il y en a, on en a connu beaucoup. Hein. Et c'est dommage, j'oublie certaines équipes. Mais voilà, José, moi pour moi, était un super joueur aussi. José Gouin, c'était un super joueur. Patrick, c'est des joueurs aussi qu'on a entraîné qui sont de bons joueurs. Comment tu expliques qu'ils sont là toujours à jouer, à être performants alors qu'ils ont la quarantaine? Patrick, tu le connais mieux que moi. Tu imagines la passion de Patrick. Patrick s'entraîne plus que les jeunes aujourd'hui. C'est peut-être ce qui. Ouais. Et puis la passion. Patrick adore le foot. José, c'est la même chose. Ce sont des gars qui vivent le football, qui respirent le football. Mais pourquoi les jeunes n'ont pas cet esprit compétiteur? On est sous une autre génération, on a un manque de leader dans les vestiaires. Donc ça c'est peut-être à la façon dont on les prépare aujourd'hui d'aller sur cet aspect du leader. Qu'est-ce qu'un leader? Et c'est des joueurs qui à l'entraînement ne voulaient pas perdre. C'était pas possible de perdre à l'entraînement. Ce que les autres aujourd'hui perdent, c'est une banalité sur ça pour eux. Tu en as parlé un petit peu. Si tu faisais pas du foot, ça serait escrime. Ouais, j'ai fait de l'escrime. Il y a un sport que j'aimais bien parce que je suis un sportif, j'ai fait beaucoup de sports jeunes. Ah, moi j'aime bien le basket aussi. Ouais, j'aime bien le basket. Mais j'aime tous les sports. J'aime regarder beaucoup de sports. Le basket, le hand, c'est des sports que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les sports collectifs parce que je trouve que. On a des partages d'expériences qui sont énormes aussi bien dans la victoire que dans la défaite. Mm-hmm. Et j'ai vraiment cette passion pour les sports collectifs. Si tu pouvais dire quelque chose à Mario Boccali quand il avait 20 ans, tu lui dirais quoi?
quand il avait 20 ans. Oh, mais je suis bien content de ce que j'ai fait. Parce que j'ai commencé à entraîner, j'avais à 20 ans, j'ai commencé vraiment à entraîner encore plus. Et à 20 ans, je leur ai dit de continuer d'écouter encore plus les anciens pour aller un petit peu plus vite dans les choses, dans les réflexions. Bah, tu penses que tu n'as pas écouté assez? Ouais, j'écoute beaucoup, donc je pense que j'ai écouté encore, mais pour éponger beaucoup plus tous les conseils. À 20 ans, j'ai 20 ans, j'ai des entraîneurs quand même exceptionnels. J'étais sous la Guadeloupe à ce moment-là, j'ai eu Richard Albert, super entraîneur. J'ai eu aussi Jean Mathurin, l'ancien CTR de Guadeloupe, qui est un bon entraîneur. Et puis juste avant, j'ai eu des entraîneurs qui m'ont donné envie de passer le palier pour devenir entraîneur. J'ai eu Robert Regina comme entraîneur. J'ai eu Guy Albert, Gisov. C'est vraiment des gens qui m'ont, hormis quand même mon formateur de tout petit, qui est M. Noël au Lamantin, ce sont des gens vraiment qui m'ont donné cette passion pour venir entraîner. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui a peur de se lancer dans le monde du football? Ah, moi, ça c'est un message, je lui dis vraiment de venir, d'essayer, et qui peut être surpris. Je pense qu'il y a, on était parti sur une campagne comme ça avec, en 2010 avec les joueurs de la sélection, sur des Modizi Kenenga. Arrêté dit un monde qui veut pas, c'est un monde qui peut pas, c'est ça? Ouais. Ouais. Et puis on est décidé à vivre nos rêves et nos rêves et nos vies. Voilà, et je pense que ces deux petites phrases d'Izzy Kenenga, que je trouve d'ailleurs exceptionnelles, ces petites phrases, doivent guider, je pense, un jeune qui fait du sport, encore plus du football. Parce qu'à un moment donné, je pense que c'est croire en ses rêves qui fait qu'à un moment donné, on va chercher des choses et on essaie de grandir, quoi. Et je pense qu'un jeune qui vient au football, de venir, d'essayer, de prendre beaucoup de plaisir dans l'activité, et dans le plaisir, les résultats peuvent arriver derrière et des choses exceptionnelles peuvent se créer. Ok. Est-ce que dans ton rôle de CTA, on va te voir moins ou plus? Ça va se passer comment? J'espère qu'on me verra plus. Si on me voit moins, c'est qu'il y a un problème. C'est que je ne suis pas dans la fonction et que je me suis perdu dans la fonction. L'objectif, c'est que justement que je sois présent au niveau des clubs. Je pense que ça, c'est important. Après, c'est ma philosophie, je l'ai fait en sélection. Donc, c'est pas en tant que conseiller technique. Même si au départ, je te rassure, pour l'instant, je suis quand même plus dans les dossiers pour m'approprier tous les éléments pour pouvoir demain matin. Oui, mais tu aimerais rester dans l'ombre aussi, Mario. Ouais, mais c'est pas le but, c'est pas qu'on me voit. Le but, c'est que le football avance, et c'est ça mon but. Vaut mieux moins se faire voir et plus travailler, plus qu'on voit les autres et plus qu'on voit le football progresser plutôt que l'on me voit sous les réseaux un peu partout. Je crois que l'objectif, c'est, je suis pas un présentateur télé ni radio. Je suis juste un éducateur qui est là pour essayer. Même pas d'encadrer, mais de coordonner l'action technique et d'encourager et de motiver aussi bien les jeunes que les cadres et les seniors aussi. Donc mon but, c'est plutôt ça. Je préfère être dans le background et de bosser plutôt qu'être sous les réseaux et à la télé que l'on me voit tout le temps. Tu vois le football martiniquais dans 10 ans comment? Dans 10 ans comment? Moi, je pense que il faut déjà qu'on soit capable de produire du jeu, que l'on fasse des personnes aimer ce qu'ils voient, c'est-à-dire payer pour voir un vrai spectacle. Mais ça, c'est un vrai défi pour nous. D'accord? Il faut aussi qu'on soit capable à un moment donné d'avoir des entraîneurs qui font encore monter leur niveau de compétence. Ça, je pense qu'en 10 ans, c'est possible. Là, tu as une bonne marge, tu as un temps pour ça. Et je pense que ça, ça prend du temps. Et aussi qu'on arrive aussi à renouveler un peu la masse des entraîneurs. Pourquoi? Beaucoup d'entraîneurs âgés ont arrêté. Ouais. Et il est important que les jeunes reviennent, mais aussi les jeunes qui ont joué au football. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que devant le manque de cadres techniques ayant joué au football, il y a énormément de parents qui viennent, qui encadrent, qui passent leur diplôme. Parce qu'au départ, ils sont venus pour leur enfant et puis ils ont pris goût, ils sont restés. Ouais. Je pense que c'est important aussi qu'on arrive à essayer de garder ceux qui ont joué au football, plus les parents. Et je pense que ça fera des binômes exceptionnels. Ok, mais on est en fin d'année, on te souhaite quoi pour 2022? Eh bien, déjà, moi, j'aurais bien aimé souhaiter la bonne santé à tous les Martiniquais. Je pense que ça, c'est fondamental. Que tout le monde soit en bonne santé, que... Je sais pas si je suis très optimiste à dire qu'on sortira du contexte sanitaire. Je ne sais pas, je suis pas scientifique, je n'ai pas tout ça, mais j'espère qu'on arrivera quand même à au moins faire du sport et à vivre avec le plus de simplicité que possible, parce qu'en ce moment il y a très peu de simplicité dans ce qu'on fait. Il y a beaucoup de complexité.
et j'espère qu'on arrivera à donner du plaisir, tu vois, en tout cas au niveau du football, aux personnes, aux dirigeants, d'accord, puisque nous sommes les joueurs, nous sommes les entraîneurs, aux dirigeants, j'espère qu'on réussira, aux dirigeants qui sont là tous les jours, aux bénévoles qui se battent tous les jours dans les clubs. Donc ça, j'espère qu'on pourra leur donner du plaisir, aux parents qui suivent leur enfant, et puis aux spectateurs qui viennent, qui payent leur ticket pour venir voir les jeunes pendant le week-end, les seniors. Donc j'espère qu'on réussira à leur donner beaucoup de plaisir. Ok, ben, ça tombe bien, parce que en général, moi, mon mot de fin, ce que j'aime dire, c'est qu'il faut profiter de la vie et de faire du sport tant qu'on peut. Donc ça se tombe super bien. On se retrouve la semaine prochaine, peut-être, je vous dis bien peut-être, avec un très très grand sportif martiniquais. Alors restez connectés et puis à la semaine prochaine. Merci beaucoup Mario et puis portez-vous bien. Bye bye. On est décidé à vivre nos rêves et non à rêver nos vies. Arrêtez de dire que vous ne pouvez pas. Un monde qui peut passer, un monde qui ne peut pas.